嗯。Mm hmm. Ok. Je me demande si je ne vais pas faire un live pour le public en plus, en même temps. Parce qu'il y, y a de quoi raconter. <coughs> je ne sais pas si la caméra est bien placée. Ok, on y va. Copé lien invitation en direct sur YouTube. Non, on va pas faire ça. De toute façon, si je ne le fais pas, ça sera répété. C'est n'est pas grave. Ah, ok, mais j'ai mis non répertorié. Euh, du coup, c'est pas super. Je vais faire répertorié.

Allez, public. Yep. Faire un petit partage d'écran, partage l'écran, et j'envoie le live ici dans Live Alpha. Bon, salut à tous, y compris ceux qui ont, qui voient qu'il y a un live et que normalement c'est pas normal qu'il y ait des lives comme ça euh, sur la chaîne. C'est euh, que j'ai décidé de faire euh, un live public. Pour le lundi, pour la reprise, j'étais en mode déménagement. J'ai quitté euh, une très jolie maison pour habiter une autre très jolie maison. Et, euh, et voilà, on vient de sortir des cartons. Et malheureusement, j'ai raté des trucs importants euh, qui, qui m'auraient bien plu. Maintenant, je ne vais pas me raconter que je les aurais forcément bien pris parce que c'est des choses à, à, se, à se pourrir le cerveau. Mais il y a des chances que je les ai bien pris. Je les aurais bien pris <laughs> Et tout ce qui compte, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, c'est un live alpha. En général, les lives alpha du lundi, c'est orienté euh, investissement. Ça tombe bien. On va un petit peu se gratter la tête ensemble. Quand je dis se gratter la tête ensemble, c'est-à-dire on ne va pas prévoir le futur. On va évaluer quelques paramètres. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question d'un membre alpha qui est novice et qui a des questions qui, à mon avis, concernent tout le monde. Et euh, forcément, mon approche peut parfois être déroutante parce que je, je, je... Il m'arrive de lui faire des clés de bras et d'appuyer un peu fort sur le coude, histoire de ne pas le, le laisser avec des réponses faciles et qu'il soit un peu plus exigeant avec euh, lui-même. Mais ici, du coup, on va parler aujourd'hui d'investissement aussi dans les cryptos, pas seulement euh, indices boursiers, etc. Et faire un petit topo de ce qui s'est passé cette semaine. On va considérer le price action, le sentiment. Et euh, l'événement Fed que, que je vais aborder ici avec euh, un bon petit résumé qui a été fait par Zone Bourse ici. Donc euh, voilà, on a eu un virage qui a été pris et euh, ce virage a été pris en mode surprise, motherfucker, euh, par, euh, par la Fed avec des annonces en fin de semaine, des annonces euh, de fin de. Quantitative tempering, hein, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire euh, l'un euh, bah, qui sont, qu sont un petit peu plus euh, ils utilisent des outils qu'ils n'ont pas trop utilisés euh, depuis quelque temps en allégeant un peu moins euh, leur, euh, leur position pour essayer de soutenir l'économie tandis qu'ils voient que l'inflation est en train d'augmenter. Et globalement, le marché a fait Oh putain, mais si c'est comme ça, tout va bien en fait. Je vous rappelle que ces derniers jours, qu'est-ce qu'on avait On avait, On avait euh, pas mal de pression vendeuse au niveau des actions. Un Nasdaq qui nous faisait, euh, qui nous faisait des, un, petit, un petit top daily, euh, genre ici, vous voyez, un épaule tête-épaule en daily. Donc, si vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer avec des lignes ça, ça, ça sera relativement clair. Ici, hop, lap. Blap et ici, cassure ici. Et là, d'un coup, paf, paf, Jérôme Powell à la rescousse. Vendredi, c'est la fête. Et au lieu de faire du ting, mm, 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 plus bas sommet, plus bas creux, d'un coup, en une journée, on se refait un plus haut sommet. Ce qui est plutôt encourageant et qui est l'effet direct. Vous voyez ici le gap, euh, l'effet direct de ces nouvelles annonces de la fête qui dit Vous inquiétez pas, on va vous aider, on va vous sauver comme on a l'habitude de faire, etc. Donc, au niveau des cryptos, et surtout du Bitcoin ici. Donc là, on, on y verra l'action des institutionnels euh, qui sont, bon, disons, qui ont des, des portfolios à risque ou pas à risque. Donc c'est eux qui voient. Mais si par exemple, on met le Bitcoin, on verra que. Euh, new price scale. OK. On verra euh, la coordination ici dans ce short squeeze BTC. Donc on a à la fois euh, bah les marchés à risque. Qui prennent en 15 minutes ou en 5 minutes une méga bougie, mais en même temps, Bitcoin qui fait pareil, aidé par pas mal de shorts qui attendaient de se faire rec euh, comme à l'habitude de faire Bitcoin, c'est-à-dire pas faire de cadeaux. Euh, oui, oui, tout à fait, Eddie, j'ai mis le, en live pour tout le monde. Vu que j'étais absent pour tout le monde longtemps, je me suis dit c'est la bonne occasion de servir tout le monde aujourd'hui, Eddie, y compris le public. Donc, euh, ici, vous voyez, euh, donc à partir du moment où il y a ça qui arrive, euh, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est euh, bon, bah, c est, c est, On ne lutte pas, hein. déjà, on ne lutte, lutte pas dans ce genre d'événement. Et en plus de ça, la question qui se pose, c'est est-ce que les bit, le bitcoin et les cryptos seront traités à la même enseigne que les indices boursiers Que les indices boursiers ou que les actions soient sauvées ad vitam aeternam par des politiques monétaires avantageuses euh, bah ça, c'est normal. Ici, hein. il, il s'agit de sauver l'Amérique. Euh, donc là, on a vu qu'ils étaient plus chauds pour sauver l'Amérique que pour sauver euh, euh, l'inflation. Quand j'ai sauvé sauver l'Amérique, ça veut dire que les marchés se portent bien, que finalement, c'était euh, quelque chose qui commençait à sembler dangereux. Un dollar index qui s'approchait des résistances, on va regarder ça ici. Et évidemment, un breakout sur le dollar index, ça, ça fait quelque chose d'assez méchant. L'idée ici, à l'approche de ces résistances, c'était qu'on range dans la zone et après qu'on voit une résolution. Vous voyez, mon biais était qu'a priori, ça allait aller vers le haut, il n'y avait pas de raison. Après, un petit peu de zigzag dans cette zone-là. Mais là, on a rejeté et je crois que l'événement Fed ici nous a dit non, 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 t'inquiète, petit dollar, ça va bien. Ce qui remet un petit peu les pendules à l'heure sur, sur tous les assets, l'or qui lui aussi était plutôt inquiet, bah, du coup, bah, ça se désinquiète. Hein c'est reparti mon kiki by the fucking deep. Et, euh, et d'autres trucs, comme on a vu euh, des choses qui étaient super fortes euh, se, faire, euh, se faire défoncer <coughs> récemment, euh, du coup, by the fucking deep. Donc je pense qu'il y avait un dérisquage général qu'on a pu expérimenter, en particulier avec le Bitcoin, qui est moins liquide que, le, que les autres assets euh, à, à, à boomer. Euh, du coup, euh, ils ont pris le temps pour éventuellement décharger. Mais ici, on a une autorisation de la FED en disant Non, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est n'est pas tout pour tout de suite le crash. Qu'est-ce que vous croyez Voilà un petit peu l'idée. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on a ici On a euh, la fameuse réintégration tant attendue. Personnellement, j'étais sceptique parce qu'elle était trop attendue. C'est-à-dire qu'elle est jouable, bien sûr. Mais à partir du moment où euh, tout le monde la veut, la souhaite. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est quand même un signe. Là, je vais, je vais pas y mettre seulement du price, price action. Le price action, c'est quoi? C'est un range dont on voit les extrêmes ici. Si vous les voyez pas, on a là. C'est un range dont les extrêmes sont ici et un range dont les extrêmes sont ici. On allait en bas. On fait peur aux gens. Donc là, moi, j'étais en train de déménager. Malheureusement, j'étais pas devant. Je crois que la dernière vidéo de Bitcoin, j'étais ici avec vous. Ça va être jeudi. Euh, entre temps on a fait ça et ensuite on reverse donc euh, nothing burger market ici on a tout réavalé et tout va bien dans le meilleur des mondes avec Jérôme Powell qui sauve le monde et a priori les cryptos sont concernés personnellement je mets pas mal de sentiments en plus du price action je mets des setups c'est-à-dire des stratégies que j'essaye d'avoir probable dans mon trading euh, de le combiner de préférence avec un sentiment qui va me confirmer si mon idée elle est bonne ou pas bonne quand je dis le sentiment c'est que je J'assume que la majorité a tort. Bien sûr, c'est très rare d'avoir une absolue majorité. Mais parfois, il y a ces moments où il y a une absolue majorité. Et personnellement, je ne l'ai pas eu. Maintenant, le Price Action nous dit quoi Ça réintègre et en plus, aidé par Jérôme Powell, qui nous a facilité le short squeeze, tout en coinçant maintenant des vendeurs dans la partie basse ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire une nouvelle jambe sur le BTC, que BTC désormais, ça sera comme le Nasdaq, Up only at Vitam Eternam euh, Moi, j'ai des petites réticences et je ne vais pas vous dire de pas acheter ici. Hein. Au contraire, là, je commence à, à penser qu'il qu peut être bon de, de se positionner, pas, pas sur BTC, parce que moi, j'ai besoin d'un setup qui est très, très, très clair pour le position spot. Donc, c'est des trading BTC de préférence à la hausse que ça va, voilà, je vous dis ça. J'ai un petit short en... qui est pas loin de se faire sortir. Euh, donc, des trading, ça veut dire intraday euh, sur des petits moves. Si j'avais été ici, bon, bien sûr, j'essaierais de holder la position parce que bon, bah, d'un coup, on est euh, automatiquement euh, en meilleure position pour entrer. Mais quand on a fait des corrections en bull market ou en marché haussier par le passé, Comment ça, se, comment ça se goupille en général On le verra peut-être pas par rapport à ici, mais quand on marque un bottom, on fait plusieurs va-et-vient. Le, le va-et-vient a un impact sur le sentiment. Ça veut dire que même si c'est vraiment le bottom, si c'est l'endroit ultime pour acheter, au moins le va-et-vient met le doute. voilà Ça veut dire que tu intègres la bonne location à un doute. Voilà. Autre chose, personnellement en monthly et même en weekly il y en a qui qui, sait, qui aiment bien les réintégrations mais ils n'aiment pas voir trop la réintégration dans le range c'est-à-dire qu'on est revenu s'installer sous des ATH précédents Alors, actuellement on refait toc toc à la porte de celui de 2021 euh, 2021 il y en a eu deux ici un autre pic donc on est venu réintégrer et bien sûr c'est c'est facile de penser quand c'est du côté bull et que c'est le biais qui est facile à avoir parce que c'est le bull market, on va tous être riches. Euh, si tu ne fais pas fois sur ton capital, euh, tu as tout raté, etc. etc. Bon, la chanson qu'on nous sert euh, dès qu'il y a du verre, euh, c'est facile de penser ça, mais à partir du moment où on réintègre dans le range en monthly c'est pas plus déconnant qu'une réintégration dans le range en délit. Donc euh, maintenant, est-ce que, est que euh, ça, ça va passer ou pas Maintenant, j'ai moyen d'invalider ça. Personnellement, j'ai un setup que j'ai ignoré par le passé, que j'ai ignoré par le passé un setup c'est une stratégie que j'ai ignoré par le passé sur du weekly et c'est rarement arrivé qu'en weekly. Enfin, c'est jamais arrivé qu'en weekly. Une, une sortie de Bollinger, réintégration de Bollinger ne se solde pas par un top. S'il si, y a eu ici, sympa. Et après, hop là, merci, au revoir. Sortie Bollinger, hop, ça commence à être un top au niveau weekly. Ici, ça fait quand même beaucoup d'occurrences. Ici, salut, salut, bye bye, salut, merci, au revoir. Donc, forcément, ça éveille pour moi euh, un sentiment de suspicion, une phase de distribution potentielle. Mais pire que ça, c'est qu'ici, on a eu une réintégration de Bollinger-Monsley. Alors, bien sûr, il y a le halving, moins d'inflation, la demande ETF euh, Hong Kong, etc., etc. Comme je dis au membres Alpha, le but n'est pas de leur mettre le doute, mais à la limite, le doute a quelque chose de salvateur, c'est qu'il permet de gérer son risque. Parce que quand, quand c'est sûr, il n'y a pas besoin de gérer son risque. Quand on est sûr de quelque chose, on est all-in et même plus colline, on est allé x5 x10, bien sûr, et personne ne perd d'argent quand on fait x5 fois x10 fois 5, fois son capital, parce que c'est sûr, en fait. Il n'y a personne en face qui peut euh, éventuellement douter. Donc, je vais considérer cette réintégration comme quand même relativement euh, inquiétante. Parce que c'est ce, ce que font les prix en général quand ils réintègrent. Ça peut s'exprimer comment Ça peut, Un retag, par exemple, de la MA20. Euh, là, je considère price action normal. Hein. On élimine le côté fondamental qui est grosse demande ETF et baisse de l'inflation halving. D'accord Donc, euh, ce n'est pas comme si j'ai rien compris à ce qui se passe. C'est juste que le graphique ici réintègre. Et si vous êtes tout à fait optimiste à l'idée d'une réintégration d'Eli. Ben, pourquoi pas moncer Normalement, ça, ça fonctionne aussi. Et du coup, qu'est-ce que je vais considérer Je vais considérer ça comme un angle mort, c'est-à-dire quelque chose à surveiller, qui m'empêche d'aveuglément me dire que de toute façon, c'est sûr, euh, pas de problème, euh, up only, etc. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas une manière dont je serais sûr que ça soit le cas enfin pas sûr mais une manière que je serais confortable c'est quand j'aurai mon renversement de tendance euh, personnellement je le fais en unité de temps 12 heures je l'aurai ici en 12 heures quand j'aurai mon renversement de tendance généralement ichimoku donc là vous voyez il n'y a pas grand-chose à faire pour passer au-dessus du nuage après je vais attendre une petite, une petite, un petit swing au niveau du nuage, c'est un setup statistiquement éprouvé selon mes termes. Donc, euh, si je vois ça, euh, je prendrai du spot et euh, voilà. Je veux dire, si ça monte, euh, on achète. Mais toujours, quand même, dans l'idée qu'on est dans un range que ça ne sera pas forcément beaucoup plus facile de péter le haut du range que le bas du range ici. Et qu'on a cette réintégration sur un autre range, parce qu'il n'y a pas que la réintégration Bollinger. Parce que Bollinger réintégré, c'est un signal. Mais euh, je pense qu'il est quand même difficile d'admettre euh, qu'on a un autre range qui est en jeu ici, c'est celui-là. Et on va considérer ça comme une déviation pour ne pas faire chier dans les frocs. Si, si je vous mets ça, donc là, d'un coup, il euh, y, y a le sang qui se, qui se, qui se met dans les, euh, dans les culottes. Mais euh, globalement, c'est un range. Même en faisant du logarithmique, il, ça, reste complicado, euh, ça reste complicado de voir le fameux, euh, la fameuse parabole qu'on qu nous a servi pendant des années en disant ⁇ Ouais, mais regardez, ça ne fait que monter hein? ⁇ La parabole, là, à ce stade-là, elle doit être franchement révisée. Et on n'a plus du coup ce, ce... Dans le graphe, on n'a plus le trade, le trend ultra évident euh, d'une, on pourrait dire, une tendance séculière, c'est-à-dire que wow, c'est pour toujours et toujours, on a quand même, euh, même en logarithmique, des choses qui évoquent la possibilité d'orange. Donc pourquoi je dis ça Simplement pour que vous, euh, on va considérer ça comme un angle mort, le graphe il est joli. Tout le monde vous a dit, eh, regardez, un Hammer inversé, enfin un Hammer, c'est beau. C'est vrai, c'est beau. En général, c'est un signal haussier. On en a vu un là et ça se passait très bien. C'est pour ça qu'il n'est pas déconnant encore de se positionner sur BTC et de se dire, waouh, on est encore très proche de l'open. En général, quand il y a des Hammers, vous avez vu, ça s'envole juste après. Donc, ce n'est pas, pas ultra déconnant de se dire, OK, on n'a pas grand-chose à perdre, à se dire… On ne devrait pas aller voir la mèche. On ne devrait pas aller voir la mèche. Mais comme je vous dis, en point de vue macro, quand je dis macro, c'est-à-dire sli, BTC, il est quand même sur une zone de turbulence dans le meilleur des cas. Et ce que je vais considérer angle mort, ça veut dire que je ne vais pas être aveuglément, je ne vais pas m'aveugler en me disant, ouais, je vais être d'accord avec tout le monde, parce que d'accord avec tout le monde, ça ne colle pas avec de la probabilité de réussite. Ça ne marche pas. Malheureusement. Donc euh, du coup, je suis pas. Je suis. J'ai je suis, un œil sur l'angle mort qui n'est pas une, une preuve de catastrophe, mais qui, est, qui, mais qui évite de se faire surprendre négativement si ça tourne mal. Plusieurs manières de se faire surprendre négativement. Il euh, y a, comme je vous disais ici, mettre le doute, c'est-à-dire euh, plusieurs va-et-vient sur les supports, et d'un coup, ça use le sentiment. Même super location, pas de dégâts sur le prix, et d'un coup, les gens disent Oh, ils ont. Voilà. Maintenant, il, y a, il faut bien considérer une chose c'est que les gens n'ont pas bail à fond BTC et que pendant le DIP, ils ont acheté des alt. Donc, euh, si BTC continue à la hausse, ça peut les faire chier aussi. Donc, ce n'est pas forcément un play ultra euh, populaire que d'avoir longue BTC dans les 60 000. Ce qui, peut, ce qui peut donner du jus. Maintenant ici, si on oublie ce qu'il y a à gauche, hein, on voit bien les plus hauts sommets, plus hauts creux, on en est bien conscient. Le plus haut creux étant ici. Après, si on regarde il y a deux semaines, les mèches étaient sympas aussi. Vous les voyez C'était des mèches qui étaient encourageantes. On ne en, se serait pas dit qu'on serait allé les revisiter. Donc c'est encore quelque chose qui peut arriver. Est-ce qu'on va ranger plus Évidemment, si on range plus et qu'on commence à faire des M weekly pour améliorer notre cas, bon, ben là, c'est carrément catastrophique. Attendez-vous à ce que je vous fasse des vidéos doumesques assez régulières sur YouTube, un petit peu comme on avait connu ici quand j'ai ressuscité la chaîne. Donc, pour l'instant, il est fort probable que les institutionnels profitent de l'aide de la Fed. Et du fait qu'il soit intéressé sur le BTC pour éventuellement reprendre position et se dire OK, pourquoi pas? Pour annuler mon setup, mon flee BTC, qui est très sérieux, déjà, par exemple, Bollinger, un retag ici, c'est ce qu'on appelle un M de Bollinger. Vous euh, ne vous étonnez pas si John Bollinger euh, sur son Twitter il dit eh, dis donc il y a un M de Bollinger des fois, il nous, fait des, il nous fait des tweets comme ça. Il ne rentre pas dans le détail, mais globalement, c'est un, un macro top. Donc, euh, ici, si on regarde, euh, on va dire un M optimisé ou un SFP, enfin, comme vous voulez, mais on peut rejeter ici sur cet MA. Et sinon, ce n'est pas forcément gagné, même si on break out. Et euh, j'imagine que le sentiment sera crazy banana. Et une autre chose qui peut être ultra intéressante par contre, c'est que la Monfly, et on est qu'au début du mois, hein, donc c est, c est, ça paraît assez facile, que la Monfly de mois de mai clôture au-dessus de la Bollinger ici. Donc ça, c'est si on aime bien Bollinger qu'on respecte les signaux Bollinger. Peut-être que vous n'en avez rien à taper de Bollinger. D'accord Si vous avez rien à taper de Bollinger, vous, vous en fichez. Ce n'est pas, pas un outil pour prévoir le futur. Ça n'existe pas, les outils pour prévoir le futur. Le plus vite qu'on puisse, c'est le présent. Donc, voilà un petit peu l'idée. Et on se retrouve dans la même situation. C'est euh, sous l'ATH prudence, au-dessus de l'ATH YOLO, globalement. Ce que font en général les gros poissons, c'est-à-dire ils se hedge à proximité des ATH et ensuite éventuellement. À la cassure et rentre en position. Donc là, il faut s'attendre, si jamais on casse et on s'installe, qu'on ait pas mal de traction parce que la voie est complètement libre. Donc voilà pour BTC où je ne vous l'ai pas fait à l'envers. Donc maintenant, y a, euh, quand je vous dis je ne vous ai pas fait à l'envers, c'est-à-dire je vous ai donné euh, les tenants et les aboutissants, j'imagine qu'il y a des gens qui sont restés deux minutes en disant Mais ça peut monter, ça peut descendre. <laughs> Eh oui, scoop, ça peut toujours monter et ça peut descendre et ça peut sideways. La question est est-ce que ça vaut la peine, par exemple, de, se, de prendre un risque dans un mid-range Mid-range, c'est-à-dire, on va mettre un 0,5 ici, qui est en général une bonne zone de prise de profit. Euh, ou alors un point de contrôle. Donc là, on est au cœur du point de contrôle on peut rester le point de contrôle est légèrement plus haut sur ce range. Donc, on est réintégré dans la valeur et on peut aller chercher la valeur high avec, en s'attendant à de la friction au niveau du point de contrôle. Dans tous les cas, les points intéressants à rentrer quand on traite des ranges, c'est dans les extrêmes. À proximité de points de contrôle, c'est plus pour du scalping et des petits mouvements. La bonne nouvelle, c'est que si on ré réintègre ce, à ce niveau-là et qu'on vienne toucher ici, qu'on qu ait un petit peu de friction, c'est que pendant ce temps-là, et que pendant que tout le monde dit Dis donc, regardez, BTC, c'est super cool. C'est justement là que les Alpes se réveillent avec un narratif renaissant qui est celui de l'intelligence artificielle. Alors là, je montre Arkham en particulier, je n'en ai pas. Euh, mais on a vu, par exemple, dimanche, fin de soirée, euh, Ena qui, euh, qui était en mode euh, Je repars. Ici, qui nous fait un double bottom très sympathique. Euh, ETHFI qui pourrait suivre. Assis ah, avec trois White Soldier. J'aime bien quand il y a, il y a trois délits d'une même couleur. Enfin, je trouve que ça intéressant. Euh, et surtout, bien sûr, tout ce qui est intelligence artificielle, avec en particulier le AI. AI qui a, qui a bien démarré ici. Donc, et lui qui est en train de grinder la Bollinger. Donc, quand je disais. BTC, euh, s'il repasse dans la Bollinger, c'est bon signe. Pourquoi? Parce que s'installer dans les Bollinger, c'est un signe de tendance forte. Il y a, il y a faire coucou, il y a, il y a faire euh, la touchette, la touchette qui tue, là. Voilà, le M de Bollinger, vous voyez. Tang, tang. Merci, au revoir, je me casse. Et il y a je traverse et je m'installe dedans, un petit peu comme un skateboard sur une rampe de skateboard. Donc, si on Refait si on réintègre pas franchement, c'est à dire que cette bougie rouge elle est annulée et qu'on reclôture à l'extérieur. On est dans un grind rampe de skateboard de Bollinger monsly qui laisse supposer que ça va, on va se mettre très, 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 très bien. C'est très possible. Mon objectif ici, moi, c'est de gagner des sous et de pas en perdre. Euh, S'il y en a qui se posent la question. Ce <laughs> n'est pas de prévoir l'avenir. Donc, euh... Donc, voilà. Si vous êtes très OK avec les réintégrations et d'un coup, c'est votre nouveau setup préféré, qu'est-ce que vous faites de, ce... qu -ce que de celle-ci Qu'est-ce que vous faites de cette réintégration, mon Après, on peut dire, ouais, mais non, on est encore dans les mèches, ça compte pour du beurre. OK. OK. Et, quand, et si jamais on revient là-dessous, ça compte sur du beurre à voir. Donc, euh... Donc, du coup, pendant que BTC éventuellement est favorable et continue de range pendant, pendant le temps qu'il voudra, moi, je me serais attendu à un été euh, où il ne se passe pas grand-chose, comme je vous disais, où on aille peut-être mettre le doute. Ici, pas forcément Doom. Le, le, mon setup Monfly, il emmène au Doom. Hein, je vous dis, il, a, il amène 16 000. Euh, 16 000, c'est la target. <laughs> c'est euh, 30 000, 16 000, c'est la target. C'est un, un setup Monfly de l'horreur. C'est le genre euh, qui, qui te rappelle de bien gérer ton risque. Mais si jamais euh, on ne perd rien et qu'on fait une correction horizontale, ce qu'on est déjà en train de faire. Hein, on est déjà en train de, de le faire ici. C'est déjà une correction horizontale. Ça veut dire que top, top, c'est un top. Bah, bah non, ce n'est pas un top. On peut faire ça longtemps. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs au halving de 2020. Correction horizontale, correction par le temps. Clac, c'est le temps qui a eu raison des acheteurs. Ici aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de. Ici, vous voyez un peu un, un top, un, un genre de Batman. Un complexe top, très très visible. Hop. Et ici, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et hop là. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et, et c'est ce qu'on veut voir, hein, à défaut d'avoir une correction dans le prix, avoir une correction dans le temps. Du coup, là, avec les deux weekly qui s'enchaînent, c'est un petit peu compliqué de se dire euh, on va aller vers le bas. Mais mon scénario initial était exactement celui-ci. Mon scénario initial était, on va réintégrer. Tout le monde va dire, waouh, c'est super! Et on surprend tout le monde en allant vers le bas. C'est mon scénario initial. C'est celui qui m'empêche d'être aveuglément boule. Quand je dis aveuglément boule, c'est pas, c'est très, très pratique d'être aveuglément boule. Si c'est si ce que vous avez besoin pour vous mettre un risque, faites-le. Vous oubliez tous les, les scénarios qui pourrait être contraire à votre biais, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, chercher confirmation et, euh, et euh, voilà, mettez-vous à risque, c'est le bull market, on va être tous riches, pas de problème. Maintenant, pendant que BTC il, il est en train éventuellement de rester dans la sticky area, dans la, la zone qui colle, on, on peut avoir un gros narratif au niveau des, 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 des... de l'intelligence artificielle une fois de plus. Une fois de plus, non pas parce que euh, personnellement, je, je, je commence à, à trouver usé le narratif, mais on a un retour sur NVIDIA. Il y a peu, il y a les earnings qui auront lieu en fin du mois de mai, et a priori, il y a des grosses spéculations sur les earnings de NVIDIA au niveau du mois de mai. Voilà. Oh, NVIDIA is dominating and high-obsessed earnings season with what even reporting yes. Voilà. Donc, ils ont pas fait l'aéroport, mais les gens sont hyper, hyper chauds là-dessus. Et je crois que c'est le 22 mai. Ouais, mai 22. Voilà. Et donc, du coup, ça peut expliquer pourquoi dimanche, pendant que le marché finalement euh, a, a décidé de pas dump, pourquoi on a vu des Océans, euh, des RNDR, euh, des AI, euh, etc., euh, retrouver un second souffle plus vite que les autres. Voilà, ça peut être une nouvelle méta, enfin, une nouvelle, la même, encore. Why not? Why not? Perso, je suis toujours. Prudent quand je vois un asset, perdre 50% avec ou 60% avec des gens qui sont coincés dedans. Je suis toujours un petit peu prudent parce que euh, parce que voilà, ça fait quand même beaucoup de gens coincés. Voilà, voilà. Donc euh, ça veut dire jeter un œil sur AI. AI, il a, il a été un peu délaissé. Il a été un peu délaissé. Il est allé chercher lui aussi son bas de range et le spring de week off. Si vous ne connaissez pas Spring de Wickoff, je vous explique, c'est une chasse aux liquidités. Ça ne veut pas dire qu'on achète tout ce qui va vers le bas. Hein. Euh, quand c'est moche, c'est moche. Mais parfois, quand on voit la réintégration, comme on vient de faire là sur BTC, ben ce n'est pas déconnant de se dire, OK, le job a été fait. Et le job consiste à aller chercher des lots et réintégrer. Merci, au revoir. Donc AI, c'est un coin qui a un peu moins de bagholder sur la même thématique. Que les autres avec un très joli ai btc qui nous fait la même avec un gros bottom ici Vous voyez un, un w bottom ici dans un w bottom ici il pourrait très bien trouver un petit peu de traction en allant chercher son point de contrôle là et du coup ce petit push contre btc si le marché des cryptos se porte bien ça pourrait lui donner peut-être de l'élan euh... J'aime bien ENA parce qu'il y a du poisson dedans. Quand je dis du poisson, c'est Arthur and Co. C'est le genre de, de coin à, à retourner aux ATH en une journée, histoire de, de, de prendre les gens par défaut. Il euh, y a énormément de cryptos qui sont nés cette année. Il euh, y a énormément de même coin qui sort. On a une grosse dilution des cryptos. Donc, quand les gens disent à saison, à saison et qu'ils entendent toutes les altes vont faire x12, x50, et qu'il y a juste à hold et qu'il n'y aura pas de problème euh, sans discernement. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grosse dilution de l'argent sur un nombre de cryptos qui devient exponentiel, de cryptos neuves euh, qui devient exponentiel. Et du coup, il euh, y a des narratifs qui risquent de, de s'étioler avec le temps ou d'être considérés comme des vaporware. Donc, il faut bien choisir, c'est le parti qu'on a pris avec Thomas de considérer la méta du moment, c'est-à-dire de dérisquer ce qui ne bouge pas et de risquer là où ça bouge. Donc, pas forcément acheter la force parce qu'on a vu que ça, ça rotationne pas mal, on n'a pas le même bull market, enfin, même marché haussier qu'en 2020-2021, mais savoir rotationner. Euh, ou alors ne pas risquer sur des trucs qui n'ont pas de market maker Le but était ici de vous faire comprendre qu'il y a des assets qui ont de l'attention et qui ont des market makers. Et les market makers, c'est eux qui donnent de la vie, tandis que d'autres assets se contentent de faire des spasmes de mouvement qui ne font que l'écho de BTC et euh, éventuellement quelques va-et-vient pour aller chercher euh, des longues et des shorts qui ne demandent qu'à se faire rec. Euh, mais la top performance, elle est identifiée identifier. Et là, je vous ai donné aujourd'hui une petite méta qui est celle, euh, des, euh, qui est celle de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas déconnant de se refaire des bagues si vous êtes sorti de vos bagues, même si la location elle est pourave. On remarquera un changement de dynamique entre euh, 10 bougies rouges qui vont lentement et deux bougies rouges, deux bougies vertes qui ravalent tout. Ça, ça rappelle étrangement ce genre de move. Je ne sais pas si WLD, avec tout son market cap, ira vraiment très haut. On peut être conservateur, aller chercher ici. Bon, bah ça y est, c'est fait. Euh, on peut aller chercher ici. Ça y est, est on n'est pas très loin. Donc là, par exemple, c'est sûr que comparé à la proximité d'un lot, la location, elle n'est pas top mais on a déjà vu euh, le prix aller chercher ses sommets par le passé. Donc, qui sait s'ils si ne vont pas le faire, seul qui est déjà parti. Pareil, on est déjà au contact de résistance. Et j'ai toujours ce doute que je vous ai dit, qu'on nous fasse une usure mentale en allant protester plusieurs fois les supports comme on l'a déjà fait par le passé. Clac, clac, clac. Vous voyez un grand classique chez Solana, surtout en bull market, et du coup sur l'ensemble des altcoins, c'est de mettre le doute avec des multiples retests. C'est la reprise non. C'est pour ça que je suis encore. Vu que je n'ai pas une très bonne entrée, c'est pour ça que je suis partisan de, de, de faire plus du court terme ici. Voilà, je suis partisan de plus faire du court terme ici. Et comme je vous dis, mon objectif, c'est juste de gagner des sous. Et on peut gagner des sous en faisant des moves de 1%. Ça dépend de la taille de votre position. Tao aussi qui avait trouvé de la vie rapidement. Et oui, et pendant qu'on peut observer, par exemple, des coins qui seraient déjà partis sans vous, il y en a peut-être d'autres qui sont en train de dessiner quelque chose. Ici, on a un triple bottom avec un début de euh, ta séance. Mais bon, si vous voyez qu'un range, vous pouvez dire ça a réintégré. Mais on, on aurait pu dire qu'avec ces trois bougies vertes ici, W, USDT, était en train de dessiner le début d'un breakout et ici un retest du breakout donc c'est pas une entrée dégueulasse pour éventuellement aller chercher plus haut euh... donc là je vous ai fait euh, tout à peu près ma vision du marché le c'est joli il y a peut-être moyen de, que ça reparte mais c'est un petit peu étonnant parce que le sentiment c'est pas étiolé voilà ça c'est un bon résumé c'est un petit peu bizarre parce que le sentiment c'est pas étiolé mais d'un point de vue macro bah, la Fed Dictent ces nouvelles règles, donc à voir est-ce que les cryptos seront considérés comme. Après tous ces dips et ces et, et chutes, on peut s'attendre à un rallye. Est-ce que c'est pour le mois de mai À voir. Entre-temps, perso, euh, j'essaye je, plus de viser du court terme, même si, bien sûr, si vous avez pu prendre les, les entrées, les bonnes entrées pendant que je faisais mon déménagement, euh, c'est pas mal de dormir dessus et de, et de voir. Si on regarde par exemple, je tradais Rune ce matin, euh, GTP là tout à l'heure, parce que, parce que sur BTC, je suis encore prudent. Ah oui, pourquoi je suis encore prudent sur BTC C'est parce qu'on est lundi et qu'on n'a pas été voir encore le gap ici. Alors bien sûr, un gap, c'est boule, hein, quand les gens attendent qu'ils soient venus voir, mais il arrive qu'en début de session New York, c'est-à-dire dans quelques heures... Qu'on y aille. Voilà. Et du coup, euh, il sera très important de voir si ici ça achète ou pas. Vous pouvez d'ailleurs acheter, si jamais on y va, en pensant que ça doit tenir. Mais si ça tient pas, ça peut nous faire un scénario de ce genre-là. Tiens, en parlant de proxy, on pourrait jeter un, un coup d'œil à Microstratégie, Microstratégie qui est beaucoup plus moche que que BTC. Et le rebond est beaucoup moins joli actuellement. Il, il y a rebond, mais il est moins joli. Ce n'est pas un truc qui donne follement envie d'être acheté ici. Euh, ETH, BTC, on pourrait jeter un œil. Il s'est fait défoncer sur le rallye du BTC. Encore, sérieusement, ça, ce n'est pas un bon truc. Alors, je suis désolé, il euh, y a des gens qui veulent euh, des trucs unilatéraux. Moi, je suis spéculateur, spéculateur, spéculare, je suis observateur. Mon job, c'est d'observer et de prendre des positions. La spéculation, ici, elle me dit waouh, wow, disons, ETH-BTC, il a finalement trouvé son bottom après l'énième retest weekly du support de la mer, de la mort. Et que pam, on se reprend une douille. Pour moi, c'est pas un bon signe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que encore un énième retest. Et pourquoi D'ailleurs, j'en parlais avec un membre Alpha il n'y a pas longtemps. Il me dit "Ouais, bah, si ça descend, bah, si ça descend, c'est le retest de trop, quoi. Combien de fois il faut retester un support Plus tu le testes, plus tu l'uses. Moi, j'aurais trouvé ça pas déconnant de jouer ETH ETF, un ETF ETH, et de se dire OK, pour une fois, ça a l'air rallye. Et pendant que les gens n'espèrent plus. On a un rallye des altcoins aussi, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand BTC est fort, en général, c'est un, un bon move sur les altcoins. Vous regarderez les dates. C'est ce qu'on appelle un proxy. Donc, euh, tout ce que je dis ne sont pas des sciences exactes. C'est juste de l'observation, de l'intuition, des stratégies éprouvées, des mauvaises intuitions parfois. Euh, mais je me suis dit que ça pouvait euh, vous offrir un son de cloche euh, que vous aurez pas ailleurs. C'est pour ça que je vous ai partagé euh, ça. Et maintenant, je vais répondre euh, à, un, à un de nos membres qui est nouveau, qui lui euh, a des sentiments contradictoires. Et comme je le disais au début de la vidéo, ces sentiments contradictoires, il faut qu'il vive avec. Par exemple, ces sentiments contradictoires, c'est waouh, je veux hold. Et je suis prêt à perdre 50% de mon capital. Quand les gens me disaient ça avant le dip, genre une ou deux semaines avant, je ne sais pas si vous vous rappelez les membres alpha, je leur parlais de l'histoire du cobra. Est, on est tous OK avec le risque, on est tous OK à prendre un cobra sur nos genoux, mais quand on nous le jette sur les genoux, on est vachement moins OK. Et là, il y en a qui ont bien pris l'expérience du cobra, ils ont bien fait l'expérience du cobra parce qu'ils ont eu leur moins 50%. Et du coup, ils ont vu. Et là, le même enthousiasme n'était plus là. Il n'y avait pas le même enthousiasme du tout. Donc, maintenant, quand il y a déjà eu un 50%, on peut espérer qu'il n'y aura pas un autre 50%. Ce n'est pas quand il y a eu un méga dip qu'il faut être hyper biriche, euh, parce que globalement, ce qui est fait n'est plus à faire. Et quand on fait des chutes de 50%, il y a beaucoup de gens qui capitulent, c'est automatique, c'est mental. Donc, euh, ici, euh, notre ami euh, que je ne vais pas citer, mais qui, qui c'est C et P, tu, tu, tu sauras, tu te reconnaîtras. Il était prêt à perdre beaucoup, il voulait risquer beaucoup, mais il trouve que son analyse technique n'est pas assez bonne. Et parce que son analyse technique n'est pas assez bonne, il n'arrive pas à prédire ce qui va se passer. Et parce qu'il n'arrive pas à prédire ce qui va se passer, il n'ose pas prendre position. Donc, sa contradiction, c'est qu'il veut risquer beaucoup qu'il est prêt à risquer beaucoup, mais, mais en fait, il ne veut pas risquer du tout. Parce qu'il veut être sûr d'acheter le bottom pour ne pas que ça perde, en fait. Et du coup, c'est sa contradiction. Et c'est une contradiction qui est vécue par la plupart des participants du marché, y compris vous derrière votre écran, qui est celui de maximiser le risque. En crypto, l'investisseur moyen maximise le risque. Vous, vous, vous naviguez dans des chambres d'écho où le jeu consiste à être all-in ou alors multiple son capital à levier pour faire comme un tel, un tel, un tel, un tel. Et malheureusement, pour, ce, pour, pour faire ce genre de sport, ce qu'on peut dire c'est du sport ou du gambling ou du, du pari, euh, bah, bah, ça a un risque. un risque. Et pourquoi les gens veulent maximiser leur risque dans les cryptos c'est parce que si jamais ça gagne, ben c'est comme gagner l'auto, c'est devenir millionnaire. Mais l'important, c'est de bien considérer que quelles que soient les histoires que vous racontez sur le fait que j'ai dit que des conneries que ça peut que monter, ou alors euh, ça peut monter ou descendre, ça dépend un peu à quel point vous êtes euh, ouvert d'esprit. Je disais que je pense qu'il y a un mois tout le monde était sûr que ça pouvait que monter, ben, pas que ça pouvait descendre. Et c'est bien descendu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si on fait un... ici, je peux vous dire que les gens pensaient que c'était impossible que le BTC dip. C'était impossible. Le, la FOMO était à son compte. Et n'en parlons pas ici. Imaginez cinq, quatre semaines de rouge là. Impossible. OK donc sachez que le marché fait toujours le truc de marché et qui consiste à règle un maximum de personnes euh, et surtout ceux qui ne sont pas prudents. Même si vous êtes très bon en poker, je ne sais pas si l'image du poker va vous parler, ou alors si vous respectez rigoureusement euh, les statistiques en blackjack, d'ailleurs blackjack, poker, n'importe quel truc où on risque de l'argent. Imaginez vous ne vous ne pariez que des perdasses, vous êtes serré agressif. Vous n'êtes pas serré agressif? à chaque fois que que vous avez la perdasse vous jouez et si vous l'avez pas vous jouez pas donc en fait vous êtes un, un vous avez une stratégie gagnante entre guillemets d'un point de vue probabilité si à chaque fois que vous jouez vous faites all-in qu'est-ce qui se passe si à chaque fois que vous, vous jouez vous faites all-in plus crédit CTLM, perso papy mamie qu'est-ce qui se passe est-ce que une bonne main hautement probable est suffisante pour tout risquer et je dis pas combien de fois tu te fais les civils la souhait et par un mec qui, qui fait des vidéos sur Youtube et qui joue avec Valet 6 qui chaud <laughs> donc euh, le simple fait de le faire à chaque fois de t'imposer de dire ok c'est j'ai raison ou rien du tout J'en parle facilement parce que je suis concerné. Je, 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 je navigue dans la même chambre d'écho que vous. On, on, est, on est venu dans les cryptos pour être riche, comme tout le monde. Donc, c'est facile. À, si vous voulez, moi, ma sagesse, je ne l'appuie pas, pas dans une boule de cristal. Je l'appuie dans cette boule de cristal. <laughs> c'est... Euh... Donc, on, on veut tous être riches et maximiser le profit. Mais le fait... Euh, de partir all-in à chaque fois en se disant Ok, c'est soit je risque tout, soit je risque rien. Et ben c'est un des moyens les plus sûrs pour finalement tout perdre parce qu'en fait, vous n'avez pas de vous n'avez pas de, vous n'avez pas plusieurs cartouches. Vous avez besoin de plusieurs cartouches ou plusieurs cordes à votre arc. Vous avez vous avez, vous avez besoin de vous autoriser d'échouer et scoop c'est pas rare. c'est pas rare d'échouer en trading. C'est tous les jours, quoi, je veux dire. Il n'y a pas plus normal que de perdre. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre avec votre trading et votre investissement, faites attention quand on vous dit oui, mais l'investissement, c'est sûr, on ne perd jamais. C'est les traders qui perdent. C'est la même chose. Les investisseurs qui ont perdu, il y en a des chiés. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Donc, parfois, ça vaut la peine de prendre un risque, qui n'est pas forcément un risque maximisé, et de prendre ce que le marché nous donne. Dans le cas de CP Crypto Monsieur Crypto Monsieur, il a une thèse qui est la thèse de Monsieur Tout le Monde le marché des cryptos sera super boule pendant ad vitam aeternam. Je vais être riche, je vais prendre le risque. Je suis OK avec ça. Personnellement, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je pense que c'est une stratégie qui tient la route dans les bonnes phases de marché. Et les bonnes phases de marché, ça peut être jusqu'à 2025. Donc, je lui ai demandé d'embrasser une thèse. Une thèse d'investisseur. C'est oui, les cryptos jusqu'en 2025, ça ne va pas tomber. Le Bitcoin, c'est 4 ans. Jusque-là, on ne shorte pas. Pas de problème. All-in J'achète, ça lui ira. All in, j'achète, je tiens mes positions, voilà. Pas de problème. Prends une feuille de papier, écris ta thèse, écris combien tu es prêt à risquer, combien tu mets, et quand tu vends, quand tu vends, ça peut être une target, c'est euh, OK, j'ai 10 millions sur mon compte, ça me suffit pour vivre de mes revenus passifs super confortablement jusqu'à la fin de mes jours, moi et tous les membres de ma famille ou euh, c'est euh, fin 2025 je regarde ce qui reste ou alors si je perds euh, 15% du capital 20% 30% 50% un je réévalue en me disant ok ma thèse c'était de la merde moi personnellement à l'approche d'un Ath euh, une réintégration voire des bougies rouges je me dis pourquoi ce n'est pas censé être boule. Par exemple, ici, bien connu, j'avais fait, fait une vidéo qui s'appelait La course au Bitcoin. Et ensuite, ici, je suis devenu permabère Et, euh, et j'étais le grand méchant du crypto français. Donc, euh, le traître. Mais sérieusement, hein, des fois, je, je, je connaissais des gens qui étaient dans les crypto et tout. Je ne voulais pas leur dire parce que j'étais traître. Voilà, je... <laughs> C'était berrif. Donc euh, voilà. Fait le prix, il essaye de break out. Est-ce qu'il le fait bien? Ben putain, tu te trompes de direction, mon gars. Donc voilà, quand on a thèse, quand ta thèse elle est bonne, quand ta thèse elle est bonne, elle va en général dans la bonne direction. Si elle va pas dans la bonne direction, tu peux y mettre des, 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 des opportunités de temps. Tu peux y mettre des, des, du temps. Par exemple, moi quand j'ai investi dans VV, je me mettais donné jusqu'en, j'avais dit 3 à 5 ans. Bon. Là, c'est parti. 5 euh, ans, je ne suis pas sûr que je vais me retrouver dans le vert, par exemple. Mais euh, je veux dire, tant que je n'ai pas vu des utilisateurs arriver, j'attends. C'était une thèse qui était soit une thèse de sortie, soit une thèse de temps qui dit OK, soit la, la boîte, elle échoue, soit elle n'échoue pas. Quoi. Donc, tu peux prendre ta thèse. Et parmi les gens qui font des thèses, il y a plan B il y a, y a des calculs savants. Euh, un peu capillotracté tracté pour, pour dire Bitcoin 3,8 millions comme sur BFM ou Cathy Wood, pourquoi pas, tu peux faire comme euh, Michael Saylor qui a sa thèse. Moi j'aimais bien grande Cardone un jour, il avait dit, ouais, moi je fais tout comme Michael Saylor, peut-être il se plante, mais si j'écoute n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, j'ai des trucs qui font conflit dans mon cerveau et après je sais pas quoi faire. Au moins si je me plante, je me plante avec lui. Et basta. Et du coup, ça, c'est Grand Cardone euh, qui disait ça par ici. Et là, il vient de vendre sa maison. <laughs> il vient de vendre sa maison et all-in-btc. C'est un, un milliardaire là qui finalement vient de faire ce qu'il ce qu disait qu'il aurait dû faire ici. Donc tu peux je trouve qu'en bull market, s'entourer de gens qui ont un biais adapté et qui ont une bonne thèse, c'est bien. C'est bien d'être dans un groupe où tu as la thèse qui va te conforter dans tes convictions, parce que ça demande du courage. Donc, crypto, monsieur, prends ta thèse. Qui c'est qui fait des cycles aussi euh, Ce n'est pas Bob Lucas. Bob Lucas, il fait des, des thèses sur des cycles et tout. Il a des thèses sur, euh, sur de la macro, sur plusieurs années. Est-ce qu'il sait le futur À mon avis, il n'en sait rien du tout. Mais si tu aimes bien ses analyses, pourquoi pas Donc là, il est un peu vert euh, jusque le 16 et le 20. Enfin bon, ça vaut la peine éventuellement de se... Thomas Andrieux, voilà. Des gens qui font du weekly, qui font du macro et tout. Personnellement, je fais quand même pas mal de macro. C'est-à-dire je day trade, mais la plupart de mes décisions sont prises par du macro. J'aime pas ce que je vois en weekly. Vous, vous aimez, mais moi, j'aime pas. J'aime pas voir une combinaison de sentiments d'espoir sous, sous des précédents ATH. Bien sûr, on a déjà vu, vécu ça par le passé et finalement, ça a traversé. Mais je veux dire... Quand ça traverse, ça traverse. Quoi. On, on, peut, on, on, peut, on peut changer d'avis par là. Donc voilà, ce que je voulais dire à monsieur, c'est tu as une thèse boule où tu veux risquer beaucoup et tu veux te donner l'opportunité d'avoir des résultats. Et dans ce cas-là, écris ton plan. Et je lui ai dit d'écrire il avait dit qu'il le ferait et il ne l'a pas fait. Peut-être aujourd'hui, il l'a fait. Mais il n'a pas fait. Et pourquoi je lui ai dit d'écrire Parce que le simple fait d'écrire son plan, ça lui permet de prendre une décision et de savoir ce qu'il va faire. Parce que le marché 1, personne ne sait où il va aller. Personne. La plupart du temps, quand le marché monte ou descend, c'est une multitude de combinaisons d'acteurs et d'événements. Même si tu avais une analyse qui disait « Ouais, mais c'est parce que c'est un support, et parce que ça fait boulanger ici, et parce que ça fait ça. » Ce n'est pas pour ça que le marché est monté ou descendu, c'est parce qu'il est monté ou descendu. C'est la différence entre la causalité et les conséquences. Donc, euh, ici, spoiler, il ne l'a pas fait. Ça ne m'étonne pas. C'est le but que je lui ai dit de faire sa feuille, c'était pour diminuer son anxiété. Si tu ne sais pas ce que le marché va faire, mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire toi-même, bah, c'est un combat permanent. Ah, mais c'est le marché facile, c'est le marché facile. Et c'est pour ça que chez Alphacim, on fait des plans. Plusieurs manières de faire des plans, c'est faire des plans qui sont pour un trade ou alors des plans qui sont d'appliquer des stratégies long terme ou court terme, selon certaines règles. Le simple fait de les connaître, ça élimine le je ne sais pas ce que je vais faire. On ne sait pas ce que le marché va faire. Mais je ne sais pas ce que je vais faire, c'est pire. Et dedans, j'intègre la notion de risque qui est combien ça va me coûter de voir si j'ai raison ou tort. Et ça, c'est très difficile à admettre, puisque les gens viennent chercher sur YouTube des, des, des calls, des solutions toutes faites. Des, des choses, et, oh, moi je suis pas trader, je suis pas investisseur, euh, je n'ai pas envie de faire tout le boulot, quoi, qu'on me dise quoi faire si tu es bon, entre guillemets. Mais un trader ou investisseur, il sait combien il va risquer, il sait qu'il risque. Quand je vais prendre un long ou un short, la première chose que je place, c'est le montant que je vais perdre, que je peux perdre, mais que je considère qu'il est probablement perdu, et le stop. Donc, si je décide combien je peux perdre dans les circonstances actuelles, selon le niveau d'incertitude pour moi ou de probabilité, je sais. En fait, au moment où je vais miser, je paye. Je paye théoriquement le droit de voir. À une, à une époque, le poker, c'était je suis, je passe et je paye pour voir. C'était sur l'époque, c'était pas le Texas Hold'em. Je paye pour voir. Il y a des fois, tu préfères te coucher, tu ne suis pas, tu ne payes pas pour voir. Et ben, en trading, tu es obligé de payer pour voir, même en investissement. Donc, et du coup, le, la difficulté de ce monsieur, c'est un, de pas de, de penser que sa thèse doit prédire le futur. Elle ne peut pas prédire le futur. Il peut faire un acte de foi, il peut faire un, une démarche, assumer son biais, tout simplement. J'assume mon biais. Mon biais est boule, perma boule, ça ne fera que monter. Et alors, viens de battre. Et il met la thune sur la table. Et s'il gagne, il gagne des sous. C'est complètement OK. Il y, a, il y a un mec qui est connu qui s'appelle Capot. est Bère, permaBaire. Ça va aller à 12 000. Blablabla. Hyper. Mais il a le mérite. Enfin, des fois, il dit il n'a pas short. Mais moi, personnellement, je considère qu'à partir du moment où tu as un biais, que tu joues selon tes termes et que tu perds l'argent que tu as perdu par rapport à ton biais, ben, tu as fait exactement ton job. C'est à embrasser ta thèse, définir ton risque et attendre le résultat. Et c'est compliqué. Psychologiquement, ils s'en pas des trucs. Donc, ce qui était intéressant, et dans la météo de la semaine dernière, je vous disais, c'était intéressant d'acheter du côté... De, moi, j'avais dit 61 500 d'ailleurs, je l'ai pris, le trade. Hein, 61 500 et quelques, là, je l'ai pris. Là, j'étais en train de déménager. Mais vouloir acheter sur une réintégration, bah le risque récompense est intéressant sur une réintégration. Tu mets ton stop ici, un petit peu plus loin que le lot. Parce que pour ne pas te faire stopper bêtement là où tout le monde met son stop. Et la target potentielle, ça peut être euh, le haut du range sur un TP1, mais pourquoi pas une continuation entière, direction 100 000, 100 000 et plus, ou 3 ,8 millions, comme dit BFM TV. Il y a plein de manières de, de faire ça, de définir ces TP. Tu peux faire euh, des extensions de Fibonacci, euh, genre euh, un 618, etc. Et, euh, et voilà, le mec qui met son extension de FIBO ici et qui va aller prendre son TP ici, il ne sait pas, take profit, hein. il ne sait pas si le prix va s'arrêter là. Il joue juste selon ses règles. Donc, c'était pas déconnant de prendre un trade, de viser pourquoi pas le haut de range, pourquoi pas jusqu'à un 618, en disant, OK, quel que soit le montant que je risque ici, je gagne potentiellement sept fois ce que je perds. Et là... La thèse d'investissement ici se passe plutôt bien. Et je dirais que tu n'as pas trop envie de voir le prix repasser sous les précédents lots maintenant qu'on a réintégré. C'est possible qu'on reteste, mais tu n'as pas vraiment envie de voir le prix refaire des plus bas sommets et des plus bas. Creux. Dans ce cas-là, voilà. Donc j'espère que vous comprenez, et, et euh, crypto, monsieur, que tu dois faire un plan. Que ton analyse n'a pas besoin d'être pertinente. Il y a des analyses pour certains qui ont l'air stupides et l'autre qui ont l'air intelligente et machin et tout. La plupart du temps, ce que tu vas faire, c'est prendre un risque par rapport à une décision compliquée qui essaie de le prendre un risque. Donc, tu vas le faire par rapport à quelque chose que tu as confiance. Les gens les plus novices, ils vont aller voir un YouTuber et vous dire, je lui fais confiance. C'est sûr, il sait ce qu'il fait. Ça se trouve, le gars, il traite pas, il prend que des à bibit ou big get. Et ça se trouve, euh, il, il risque 0,5% de son capital quand vous partez all-in. Personnellement, c'est ce que je fais. Je, reste, je risque 0,5% de mon capital ou 1% de mon capital quand je prends un trade. Le jour, où les gens ils, ah, putain, les gars, ils il gèrent son risque. Il n'est pas all-in comme nous. C'est rare que je sois all-in. Avant, c'était quasiment tout le temps, mais je vous dis, ça ne marche pas. Ça, ça use, ça use le mental, ça use l'émotionnel. Si tu dois pouvoir tenir tes positions, il euh, faut avoir tout de suite raison, avoir sniper le bottom exact. Si tu t'as pas sniper le bottom exact, euh, à gros risque, les va-et-vient, c'est compliqué, quoi. Sans drogue ni alcool. Et moi, je me drogue pas, je me bois pas. Je bois pas. Donc voilà. Maintenant. Si vous avez raté le move et que vous êtes dégoûté, je vois qu'il y a pas mal de disbelief dans le canal. Ça laisse supposer qu'il y a peut-être encore des gens. Et je dirais que vous avez peut-être raté le move ici alors qu'on arrive dans le mid-range. On voit ici que le volume profile il est un petit peu creux. Ça veut dire qu'on pourra rester pas mal de temps là-dedans, avant de déterminer où on va. Le temps qu'on ait une distribution un petit peu gaussienne, comme ça. Ici, ça, ça, ça semble assez cohérent qu'on reste quelques temps là-dedans. Et après, on verra. Est-ce que tout le monde repasse boule ou pas Mais pendant que le BTC il est neutre, OK, il y a beaucoup d'Alcoins qui ne demandent qu'à eux aussi faire leur réintégration et pourquoi pas une petite poussée. Et du coup, ce n'est pas grave d'avoir raté un. T1. On peut aller chercher d'autres. <laughs> Alors, on a eu l'intelligence artificielle qui a, qui, a fait, euh, qui a fait le, le départ. Mais voilà, j ai, j ai... on n'a pas eu le temps parce que c'est arrivé dans l'heure qui vient, euh, je pense, pendant le live. Mais vous voyez, les, les mêmes, ils n'ont pas tardé derrière. C'est là où il y a le plus d'attention. Donc, euh, que ce soit Bonk, Wiff, Floki euh, et d'autres. Et ensuite, après, il y aura les autres mêmes. Tiens, là, il y a peut-être celui-là aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ceux qui le regardent jusqu'au bout, bah, bravo. Les membres alpha, je sais qu'ils le regardent jusqu'au bout, ils ont l'habitude. Euh, pour les autres qui n'ont pas l'habitude, bah, c'est difficile de maintenir l'attention jusqu'au bout. Je pense que j'ai donné une piste à Monsieur Crypto qui est de faire un plan, d'embrasser une thèse, quelle qu'elle soit d'accepter que quelles que soient ses décisions, elles sont arbitraires et qu'elles permettent de définir un risque et que s'il décide de partir all-in et que sa thèse, c'est all-in, eh ben, c'est son choix. Mais dans ce cas-là, il faut assumer d'avoir tort. Il faut assumer d'avoir tort. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix d'assumer que vous avez tort ou raison. Voilà. Donc là, les halles sont parties. Je pense qu'il y a encore, euh, peut-être encore aujourd'hui, se positionner. Et... Plus on attend, moins ça, plus ça devient chaud. Hein. Plus, plus c'est la patate chaude. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont encore coincés avec des bagues euh, dans le... non, un petit peu plus haut. Donc voilà. OK. Ça fait comme une longue météo. Est-ce que je vérifie, je vérifie dans le message épinglé ce que j'ai dit et si j'ai bien répondu à ce monsieur. C'est quoi ta vision, ce qui peut se passer justement L'hypothèse du consensus suivante que je partage et que beaucoup doivent partager, ça doit être que l'espoir, objectif pour BTC est entre 130 000 et 220 000 pour être large et x 2 x 4 sur les altes qui ont dévissé par 2, 3. Donc revenir au niveau derrière moi, c'est sur un achat actuel assez proche du BTC tout de même. Donc… Euh, tout ça, les promesses de, de chiffres incroyables, de multiples, et de multiples sur le capital, c'est du foin public. Hein. La priorité des priorités, ce n'est pas de maximiser votre risque, c'est de survivre jusqu'à la fin du bear market et de, et de développer assez de compétences pour, euh, pour euh, prospérer dans le temps. Si vous n'avez plus de capital parce que vous avez fait les fifous euh, sans compétences, ben c'est fini. Donc, euh, c'est OK d'avoir la chance. Hein. Moi, personnellement, je suis chaud pour la chance. Euh, je vous souhaite d'avoir de la chance. Mais si votre chance, c'est de passer sans compétences de 10 000 à 1 million ou plus, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 1 million Parce que à part vous convaincre que vous l'avez mérité et que c'est vos compétences qui vous ont mené jusque-là. Moi, je vois des gens qui disent j'ai gagné j'ai fait du bon boulot on est en bull market il y a quasiment tout qui monte tout le temps Le bon boulot ça s'exprime sur des décennies hein. donc je regarde encore ce qu'il dit ça m'amène mon hypothèse d'une condition d'une halle saison ah oui ça aussi la halle saison la halle saison la halle saison il y a la bonne saison c'est t'es bon get good saison faut choisir ses assets, il faut porter ses couilles, il faut bien choisir ses entrées, il ne faut pas faux mots. Voilà, il y, y a plein de. Tout va pas monter à l'infini. Et ici, on a... Et je sais, et je sais, les, les cryptos nous ont fait le cadeau de deux bull markets assez intenses. Où il y avait vraiment besoin d'aucun effort pour gagner de l'argent. Mais je peux vous dire que c'est devenu costaud. Il n'y a, a, a pas de mode facile à espérer. Il y a juste à développer des compétences. C'est ça votre espoir. Il n'y a pas d'espoir à avoir en trading ou en investissement. C'est juste un jeu qui va consister à prendre les sous des uns pour mettre dans la poche des autres et en préférence les meilleurs. Donc, euh, c'est OK d'avoir une test boule et de dormir dessus, mais il faut accepter le rectage qui va avec. Si c'est votre option, ben, c'est OK. Personnellement, mon option, c'est de prendre ce que le marché me donne et de perdre le moins possible. Allez, allez, euh, j'espère que le public a apprécié. Et puis sinon, ben, tant pis. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais tous les jours. C'est ça. Maintenant, depuis 2019 des heures et 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 des heures. Bonne journée et à la prochaine. Bye.